discuter des enjeux importants du développement du Gabon en général et des départements de la CB Bricolo et de la Bailly Bricolo en particulier. En période de la transition, voici ce qui a rythmé les échanges entre les filles et les fils de ces localités, notamment après le passage du président de la transition à l'occasion de sa tournée républicaine. Moins d'un an après le coup de libération, nous voyons les réalisations du président de la transition sur toute l'étendue du territoire national. Et nos deux départements ne sont pas en reste. C'est pourquoi j'en appelle à nouveau à notre esprit de rassemblement et à notre sens de l'unité, afin que chaque fille et fils de la CB Bricolo et de la Bailly Bricolo soutiennent fermement la transition et l'accompagnent dans sa mission de restauration de la dignité des Gabonais. Les invités du général de corps d'armée, ministre de la Défense nationale, n'ont pas manqué de saluer le geste du membre du gouvernement, mais aussi et surtout le développement initié et qui est en cours dans la province. Principalement de l'unité d'abord. L'unité sans laquelle on n'ira pas plus haut que ce que la transition souhaiterait. On a aussi traité des questions de développement, et de développement spécifiquement d'Okondja. Là, on a exhorté tout le monde, notamment Madame la ministre a exhorté tout le monde à essayer de se souder et d'aller de plus en plus vers les objectifs fixés par le CTRI. Nous n'avons pas de routes, nous n'avons pas des hôpitaux, nous n'avons pas des écoles. Donc des pierres ont été posées afin que dans les jours à venir ou plus peut-être dans les mois à venir, ils vont passer à l'exécution de ces travaux. Rappelons que cette rencontre venait également fixer le cap à l'approche des festivités du 17 août, date à laquelle le Gabon accède à son indépendance il y a 64 ans.